Je me rappelle, oui. Ils ont bien changé les toons depuis. À l'époque, ils étaient gentils, ils étaient mignons, ils faisaient n'importe quoi. Et puis, jamais, au grand jamais, ils auraient eu l'idée de s'en prendre à des gens. Et puis est arrivé Roger Rabbit. Et Roger Rabbit, il a tout changé. Puisqu'il a fait voir qu'il y avait des toons méchants. Mais vraiment super méchants. Et du coup, depuis Roger Rabbit, il arrive que de temps en temps, bah, on se tape des méchants toons. Et c'est exactement ce qu'on a dans Bendy and Ink Machine, le jeu qu'on est en train de parcourir. Alors derrière, ce que vous entendez, eh ben, c'est la bande originale de la version Amiga de Roger Rabbit de l'époque. Alors il date de 87, je crois, 88 peut-être, je sais plus. En tout cas, il est très très vieux et ça s'entend beaucoup. C'est pas ce qui nous regarde aujourd'hui, on va couper cette BO et on va foncer dans ce nouvel épisode de Bendy. Et mon petit doigt, oui, il me dit, je sens que la fin est proche. Oui, la fin est très très proche. Est-ce que c'est vrai? On y retourne tout de suite. Alors, où j'en suis? J'ai une super seringue. Et puis, depuis le dernier stream, on m'avait dit qu'il fallait que je dégomme trois bestioles pour récupérer l'encre qu'il y a dessus. Je suis tombé sur une super méga bestiole qui est un peu plus furax que les autres. Genre, faut lui taper 5 fois sur la tête avant qu'elle pète. Je me suis servi des placards, du coup, pour esquiver un petit peu les attaques massives. Et j'ai récupéré mes trois schmurgles. Et du coup, maintenant, on me dit, bah, tu n'as plus qu'à les ramener à Angel. Angel, cette espèce de toon torturé, qui apparemment n'est pas très très clair dans sa tête. Et donc, il faut que je retourne au niveau 9. Et le niveau 9, je dois y être, hein, je pense. Oui, c'est ça. Et il faut que j'aille mettre cette encre dans quelque chose. Et ça va bien se passer, les amis, je vous le garantis. J'inspecte un peu tout. Donc toujours cette ambiance festive et bon enfant à la fois. Prendre la ventouse. Quelle ventouse! Alors, il y a des petits soucis de traduction, j'ai l'impression, mais bon, c'est pas grave. Ah, voilà. Démêler les tubes d'encre au niveau P. Soit. Mais me battre avec une ventouse à chiottes, je peux. On va tester. La ventouse à chiottes est très inefficace. Là où je tapais un seul coup, il faut que j'en tape deux. Je sens que ça va pas trop me plaire. Petite sauvegarde légale. Another day, another dollar. Yeah, sure. Salut mon pote. Ça boum. Niveau P. P comme. Bateau. Oui, bah non, mais on est dans un truc de toon, donc je peux me permettre. P comme. Zèbre. Alors, il y a une histoire d'engrenage et de petites boules qu'il faut que je récupère. Ok, 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 ok. Avec ma ventouse à chiottes. C'est pas gagné, je pense. Oui, je sais que tu veux plus travailler ici. Ah putain. Plop, 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 plop. J'ai intérêt à trouver des boîtes de power. Alors ça doit être ça l'histoire, non? Plop. Non. Il me faut des boîtes de pour rétablir ma santé. Il me faut des engrenages, des sphères de je ne sais pas quoi. Si je tombe sur un gros, ça va être la misère parce que lui, il va vraiment me faire la fête. Plop. Plop. Et y en a un autre? Putain, je suis tombé sur lui! Il vient droit sur moi! Alors, est-ce que ça me compte comme un des trucs que je devais récupérer? Yes!
Donc le gars s'est permis de me réduire la puissance de mon arme tout en me disant, bah maintenant je t'en envoie des plus gros, vu que t'es un bon. Je sens que cette histoire de plop va me porter préjudice, mais gravement, quoi. Plop. Plop. Alors, ça me rappelle les jeux de zombies où on est obligé de se bastonner, Dead Island et compagnie, là, en reculant pendant tout le jeu, quoi. Ce qui, au bout d'un moment, est quand même très triste et chiant à la fois, faut admettre. Plop. Plop. Eh oui, non, mais moi je plop, monsieur. Tu veux pas me lâcher un boulon? Alors, apparemment, c'est peut-être certains ennemis qui vont me. Ah! Hein? D'où tu sors, toi? Trois coups, ça fait peut-être un beaucoup pour un seul malotru de ton genre. Je sens que je vais pas faire long feu dans ce niveau. Je n'ai absolument aucune idée de ce que je fais, mais je le fais. J'ai de la volonté. Et on verra bien ce qui se passe, hein. Doum, 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 doum. Alors. Plop. Plop. Eh non, mais moi je suis Monsieur Plop maintenant. Je plop tout ce qui passe à la portée de ma ventouse. Alors celui-là n'est pas actif. C'est moche. Et il n'y a plus aucun monstre qui me lâche quoi que ce soit. C'est d'autant plus moche. Plop. Plop. Et replop. Mais oh! Lâche-moi un bonus avec ce que tu m'as mis dans la figure, toi. Non, 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 non! Il veut pas tourner dans l'autre sens, lui. What? Viens droit sur moi! Alors aujourd'hui je suis dans Josiane et je vais sortir à nouveau. Oui, c'est un private joke, il faut avoir vu les précédents streams pour comprendre. Josiane, détends-toi! Je suis de retour ici, j'ai toujours mon petit truc, mais j'ai pas fini d'en baver avec ma ventouse à. Chiotte. Gloob. Ok, amène-toi. Y'a pas un qui aurait l'idée de me filer un bonus? Non mais juste pour le test, juste pour le goût, juste pour l'intention. En plus j'avais pas fini ma manipulation de haute technicité. Greux. Ou fallait que je mette à niveau ça. Oui, je parle aux flaques maintenant parce que je sais que dès que je manipule un truc, elles me font de la misère. De toute façon, celui-là est pas manipulable vraiment. Celui-là, oui, par contre. Greux. Alors, quick.
Oui, je paranoïe un peu du coup maintenant. Mon idée, c'est tout descendre à max. Plus tard, on s'inquiétera de faire les niveaux autrement si nécessaire, mais pour l'instant, mieux vaut faire le profil bas. Plop. Plop, plop. Pas plop. Ok. Bon, bah, pas plop, les gars, hein, tant pis. Donc il va falloir que je tombe sur trois bestioles, enfin deux maintenant, pour me faire un petit peu servir le. Celui-là redescend aussi. Ah putain. Mais pire que. Ça va être long. Pourquoi on peut pas changer de sens? Si je ne meurs pas, tous les trucs seront au niveau le plus bas au moins. Ça sera la bonne info du jour. Is it safe? Yes, it is. Ok. Run. Celui-là, il veut pas. Hein. Plotch. Non plotch. Je suis un peu égaré, hein, les amaches. Mais t'as vu qu'on peut pas trop aller là-dedans. Non, non, tu vas pas pouvoir aller là-dedans. Il va t'arriver des bricoles. Je tourne sur ce damné niveau et démêler les tubes d'encre au niveau P. Alors, je vais juste check un truc. Mais je voulais le voir en anglais. Résoudre le problème des tubes d'encre sur le niveau P. Ok. Bon. Oui, bah, je partais dans cette idée que la translation était not correct, bitch. Eh oui, faut y penser. Donc, m'est avis que tube, je devrais prendre les niveaux qu'il y a dans celui que je peux pas bouger, par exemple. Et puis ajuster les autres niveaux sur le même. Allez, on va tous se mettre au milieu parce que je suis un mec trop cool. Et je vais finir par les avoir, ces purées quoi. Greux, notre greux. On va tout mettre au milieu parce que je suis un mec cool, sympa et dynamique. C'est farpé. Tu joues comme un dieu. Ah non, ne merde pas. Et je bim. Awam. Eh ben, il me manque le petit dernier, c'est bon. Donc ok, on va les mettre tous au même niveau et on va courir. J'espère ne pas tomber sur le vilain babu. Parce que le vilain babu, il est pas supra commode. Il est vilain. Il est babu. Et la dernière fois, il m'a bien cassé la gueule, je crois. Voilà. Alors, il suffit juste que je retrouve mon ascenseur pour me barrer. Et la vie pourra à nouveau être formidable. La vie est à nouveau formidable, regardez.
Et lui, il est bien dans sa cage d'ascenseur, il m'attend sagement. M'est avis que cette Alice me trame un mauvais coup, mais un mauvais coup de chez mauvais, quoi. Ah bah voilà! Toutes les sculptures de Bendy. Dans quel niveau, on n'en sait rien, mais on va se débrouiller. Niveau K. Visitez le niveau K. Et apparemment, planquez-vous parce qu'il va y en avoir un gros. Un gros quoi? Un gros enfoiré. Petite sauvegarde, ça fera peut-être pas de mal. Jingle. Et on va au niveau K. Tu viens avec moi, gros? Allez. C'est un petit peu le défaut du jeu. Hein. Il vous fait pas mal faire des allers-retours. Mais bon, j'imagine que la team devait pas être énorme, énorme pour développer ça. Et du coup, bah, quand t'as pas trop les moyens, tu essayes de faire durer. Hein. Alors, détruire les figurines. Et pas se faire choper. Alright. Alright. Ben, déjà celle-là, regarde. Ça, c'est check. Dis-moi pas que je suis arrivé à me coincer dans le jeu. Je m'en voudrais un petit peu, quoi. Putain, si. Je suis l'homme qui ne tombe pas à pic. Et non. Je ne tombe pas à pic. Ah purée, c'est bon. Ouf, on n'est pas passé loin les amanches. Je vous le dis, on n'est pas passé loin. Toujours fermé, je présume. Un truc pour se planquer. Méfions-nous des vilains gros. Toi, t'es un petit. Oui, ah, ça fait du bien de retrouver sa hache. Hache, hache, hache. Oh purée, l'autre il va me partir aux fesses. Je le sens. Et j'ai pas démoli toutes les figurines. Je le sens pas là-bas. Mais on y va quand même. Du calme, du calme, du calme. Je suis là pour les figurines, les gars. Pas pour vous. Pif. Paf. Patapouf. Tu vas te calmer, toi. Ça, c'est par où je suis arrivé, je crois. Non, ou alors c'est un endroit où je suis pas allé. Va savoir. Tu peux te cacher. Pense. Zi. Onze. Ok, j'ai le décompte. C'est pas un peu craignos, là. Je vous avoue que je me suis un peu paumé là. Je sais plus du tout où je suis. J'espère que je suis encore dans le bon niveau. Que je ne m'en vais pas complètement à l'opposé de où je dois aller. Parce que là. Oh là là, mais je suis revenu super en arrière, non? Il me le semblerait.
Oui, c'est par où je suis arrivé, ça, quand j'ai activé la machine tout à l'heure. Je fais tout à l'envers, c'est dramatique. Ma blonditude est à son extrême intensité. Je vais bientôt avoir les yeux bleus, je pense. Eh oui, blond, yeux bleus. On approche de la connerie ultime, quoi. Oui, il y a des références masquées dans ce que je dis. Bah, faut dire qu'en ce moment en Europe, on n'est pas trop bien gâtés, hein, donc aucune tolérance pour ces gens-là. Bah, ils en montrent pas, donc pourquoi on leur en offrirait? Ce serait moche. Oui, c'est bien de vous que je parle, les FAF. Est-ce qu'il me l'a décompté? Oui, bah, comme quoi j'ai bien fait de venir ici, en fait, hein. Par contre, je ne vois pas trop. Toi, je t'aime pas. Je ne vois pas trop où me débrouiller pour avoir un ordre logique et faire absolument tout, puisque. Il y en a une ici, non? Non. Crac, une ici. Ça m'ennuierait de rater une et de devoir tourner comme un zombie dans tout le niveau pour trouver la dernière, quoi. C'est ça qui est super pénible. Et en plus, j'ai des probabilités d'avoir de la compagnie à n'importe quel instant. Snip, 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 not snip. Hop, 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 hop. Je voudrais un radar, s'il vous plaît. Filez-moi un radar à figurines. J'arrive. There's nothing at all here. Tu comptes pas pour une figurine, toi? Ma grande spécialité, me faire tous les cul-de-sac. Ich. Non, mais non! Je voudrais une touche turbo pour pouvoir voler à la vitesse du vent dans ces couloirs et m'engouffrer. Bah, je suis chez les Toons, je devrais pouvoir faire quoi. M'engouffrer dans les passages à vitesse grand V pour pouvoir plus vite atteindre mes objectifs. Je sais pas pourquoi, mais ça ne va pas être trop sympa par ici, je sens. Oh putain! Il viendra sur toi, Maurice! Maurice, cours! Trouve-toi un placard! Un petit placard, un gros placard, un moyen placard, peu importe! Ghislaine! Mais je m'attendais pas à être là! Comment ça va? Détends-toi, ça va se passer comme il faut. Bah oui, je fais que passer, hein. Maintenant, je vais renaître et cette fois aboutir d'une manière magistrale sur cette énigme énigmatique qui ne l'est pas vraiment, mais qui me fout les foies. Donc grosso modo, on dit ne va pas là-bas. Ok, c'est noté. Je ne vais pas là-bas. Je n'insiste pas. C'est là qu'il faut pas que j'aille. En fait, c'est un hasard. Le gars a popé en mode random, pile là où j'étais. Et j'avais un placard là, quel dommage. Niveau K, je suis toujours au niveau K, les aminches. Hein. Ouais, il me semble. Oui! J'ai la confirmation dans l'oreillette. Donc je vais reprendre le passage jusqu'au bout duquel je ne suis pas allé. Et puis peut-être, avec un peu de chance, tomber sur ces dernières figurines à détruire. Petit pas. Greu. Greu, greu. Greu, greu. Il me semble que c'était par là. Surtout ne pas en oublier une seule. Sinon tu risques de le payer très cher, jeune Padawan. Alors faudra aimer l'exploration dans ce jeu, vous l'avez bien remarqué. On peut le dire, c'est pas un gros reproche, mais il y a la moitié du jeu qui se résume à tourner en rond. Crac. Everything gonna be alright. Oui, je la sors toujours celle-là quand ça devient un peu tendu.
Angel, on s'en fout. On s'en fout, on s'en fout, on s'en fout. Mais je suis en train de ressortir du niveau, hein, comme tout à l'heure, mais. Mais en mieux. She is quite a girl. Ok, man. Je veux juste des figurines. T'as des figurines par là. Des figurines, s'il vous plaît. Des figurines, j'en veux. Et là, je me suis rebloqué le passage. Non. Ça aurait été super drôle. Salut! Comment dire? Je cherche des figurines. Vous avez pas ça? Je suis en train de faire tout le niveau à l'envers, du coup. Plotch! Mais. Plotch, je viens de te dire. C'est ça. Plotch! Yes, il me les compte. J'ai bien fait de revenir jusqu'ici. Eh ben, j'ai été bien idiot, par contre, tout à l'heure. J'avais l'opportunité de squatter là, de faire un véritable massacre. J'espère qu'il va pas en manquer juste une, parce que là, ça va être... Croisons les doigts. Ça devrait bien se passer. Je suis sûr qu'il y en a une qui est posée juste là. Il en manque une dans tout le niveau. Les amis, je suis désolé, je suis confus, mais vous êtes comme moi, vous voyez bien que ce jeu m'en veut. À moi particulièrement. Il va falloir que je scanne tout mon environnement à la recherche de la dernière. Et c'est exactement le genre de choses qu'on n'aime pas faire. Where is the last figurine? Ich bin traurig, comme on dit couramment. Alors, si tu vas apprendre l'allemand avec The Big Gamoski, note que traurig, c'est tristesse. Oui, je suis très tristesse. Les choses devaient se passer simplement. Les choses devaient se passer bien. Quand soudain. The drame. On va être super méthodique parce que là, j'ai pas envie d'y passer encore 20 minutes. C'est le reproche que je fais à ce jeu depuis le début et il me le met en pleine figure, quoi. C'est un petit poil contrariant. Démon Angel, ça c'est closed, monsieur. Donc, tu peux y aller, c'est closed. Regarde bien dans tous les angles. Alors, désolé pour les mouvements de caméra. Oh là, voilà la petite. Hop. Comment ça, vous avez cru entendre un mot bizarre? Non, pas du tout. C'est quand je prononce la petite lop. Il y a une partie qui saute, hein, j'ai remarqué. Bon, faut dire que sur YouTube, c'est assez rigolo. Alors, je vais en profiter pendant le trajet, hein, pour parler de YouTube, meubler un peu. C'est assez rigolo. Les gens très attentionnés qui font des streams de jeux auront remarqué cette étrange manie. Je sais plus où je suis là. Cette étrange manie qu'a YouTube de vous faire des suggestions. Étrangement en rapport avec les dernières vidéos que vous avez upload, mais pas par rapport au titre, hein. Par rapport au contenu textuel. Ah, ça se rapproche. C'est-à-dire que tout ce que vous dites pendant votre stream, c'est analysé par le système d'IA qui fait les sous-titres automatiquement, et ils en profitent au passage pour se récupérer des mots-clés, les gars. Alors je ne bullshit pas, hein, vous essayerez. Faites une vidéo de 5 minutes. Où vous dites différentes phrases, machin, et vous mettez 5 mots-clés dedans. Vous allez répéter, on va dire, les 3 fois pendant le stream. Vous allez voir après ce qui se passe. Plotch. Il n'y a pas de plotch, mais. Oh putain, il reste encore une! Fuck me! Et donc, je disais. Bah oui, c'est quand même bizarre de se faire espionner en permanence, quoi. Google, c'est devenu ça. Google, c'est vraiment le Big Brother, mais déclaré. Ils ont passé 15 ans à fabriquer leur saloperie en douce, en faisant croire sous couvert de service que c'était la solution ultime à tous les maux de l'humanité. Et en fait, ça fait 15 ans qu'ils mettent du lubrifiant sur le bout de leur truc pour nous l'enfiler. Et là, les gens, eh ben, ils ont beau mettre du gravier, du verpillé. Comme dit la chanson, et ça fait mal. Enfin voilà, c'était ma vie avec YouTube et Google.
puisque nous sommes ouvertement en guerre. Aujourd'hui, les vidéos sont encore hébergées sur YouTube. Préparez-vous à une migration de masse. Parce que je n'ai pas l'intention de faire profiter de mon temps et de mon travail YouTube, qui lui ne me fait profiter de rien à part d'un hébergement que je pourrais très bien trouver ailleurs en fait. Il me manque une fucking figurine. J'ai envie de mourir. D'ailleurs, il y a moyen que je sois exaucé. On va te dire que c'est toi! Bon, je suis vraiment ennuyé là, les amanches. On n'était pas loin d'y arriver et soudain le drame. Alors, est-ce qu'il y en aurait une planquée pas loin à côté de là où j'ai démarré? Ça serait la bonne nouvelle. Genre, t'as démarré comme un dingue, mais tu n'as pas vu cette petite figurine qui était cachée juste là, regarde. Derrière ça. Je vais me balader un peu, des fois je trouve une autre figurine quelque part, pas trop loin de préférence. Mais là ça me semble assez mal barré quand même. Agreux? Non, pas agreux. Quelle misère, quelle misère, quelle misère. Donc du coup les énigmes sont pas terribles, terribles. Hein. Et toi, toi. Les énigmes sont pas terribles, terribles puisque... Il y a beaucoup, beaucoup trop de recherches inutiles, en fait. Et c'est super dommage. Goofy, tu m'aides? Oui, je vais t'appeler Goofy, c'est ton nom original. Hein, parce que... Faut qu'un jour tu l'apprennes. Putain de tas de morts. Je sais pas d'où t'es sorti, mais... Ah, maintenant que j'ai une hache, les gars, j'en profite, hein. Il n'est plus question de sympathie, d'aimabilité et de compassion. Finito. Il me manque une figurine, je suis vénère. Tout ce que je vois, je le broie. Tu vas te calmer, Jean-Philippe. Pas faire un nouvel épisode de stream juste pour un truc qui nous manque, c'est vraiment très moche. Il y avait une drôle d'ambiance dans ce studio d'anime. Hein. Dis donc, c'est quoi ces manières? Un quick. Ah, ça fait toujours du bien un quick. On va y arriver, je suis tenace. C'est dommage qu'il n'y ait pas soit un bouton super court, soit une autre façon d'éviter de zoner comme ça. Donc la première, je l'ai fracassé, j'ai tout fracassé. Par où je suis pas allé en démarrant, moi? Ici j'ai été. Oui, c'est l'escalier, on va éviter. Quel malheur, mes amis, mais quel malheur! Et on ne sait pas où c'est qu'il va vouloir que j'aille une fois que j'aurai trouvé ma dernière figurine. Ça, ça a dû te faire du bien, mon pote. Alors, je me retourne bien hein, de partout pour essayer de ne surtout pas passer à côté et la rater, parce que ce serait vraiment synonyme de catastrophe ultime. J'ai passé 10 000 fois ici, les amages.
Ça, c'est là où il y a la grille. J'en suis au point où je mémorise la carte, quoi. C'est pas si immense que ça, mais c'est juste la taille pour me gonfler. Pas de figurine ici, mon gars. Non, ça c'est une planche, une vulgaire planche. Que dalle. Comme la nageoire. Oui, bah, c'est dimanche hein, quand j'enregistre ce stream, donc je peux le jeu de mollet. Le dimanche, je vous rappelle que je peux totalement. Greu. Bon, on va retourner vers le début où on était, mais c'est pas top. Parce que ça veut dire qu'il y a une figurine planquée quelque part que je n'ai pas vue et qui était quelque part par là. Scrotch. Bouge pas. Voilà. Ça va mieux? Ok. Une figurine, le... Dis-moi pas que c'était ça. Oui, je suis le tueur de figurines à la hache. Je vais développer une nouvelle chronique pour tout ce qui ressemble à des peluches, des animaux kawaii et des trucs de dessin animé. Prends garde à mon Kouroux, vraiment. Parce que là, on n'est pas loin d'avoir le vrai Kourou. Je reste calme zen, mais tout comme vous, ça me commence à me gonfler un peu de faire des allers-retours pour pas grand-chose. Greu, note greu. Alors, où quelle est la manquante? Ah, je regarde vraiment de partout, mais bon, ça serait con que ce soit là-bas, quoi. On n'est plus à une connerie près, vous me direz, et vous avez totalement raison. Ah, il y a des morceaux de partout, mais. Mais fuck, quoi. Et oui, machinalement, il met des coups de hache partout. Parce qu'il est vraiment très contrarié. Where is the last figurine? Puis là, je dois avouer que je commence à être sincèrement blasé, on va dire. Nothing, ok. Quand il y a nothing, il y a nothing. Tant pis pour toi. La grande salle. Dis-moi pas qu'il y a une figurine que j'aurais pas vue encore là, c'est quand même extraordinaire. Oh putain. Casse-toi. J'ai vu, elle est à moi. C'est vraiment pas gentil ce que tu m'as fait là. J'ai bien fait. On a notre ami qui apparemment n'a pas trop apprécié. On va le laisser passer puis on va vite rusher. Donc il faut que je retourne au niveau 9. Qu'est-ce que je fais? J'attends qu'il passe. J'attends que quoi. En plus il n'est pas apprécié là. Ça va être long. Je vais vous chanter une petite chanson en attendant. Je pense que ça va super bien se passer. Salut. Il n'y a personne ici. Mais comment je t'ai ken? On va le laisser prendre un petit poil de distance. Et je vais rusher comme un cochon, comme un goré. Vers ce fucking niveau 9. On y va? On y va. Cours Forest.
Et ne t'arrête surtout pas. Et ne va pas dans des cul-de-sac. Et advienne que pourra. C'est important de pointer, hein. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Honnêtement, il aurait pu quand même, le dev, nous mettre un mode course un poil plus rapide que ça. Ça aurait rendu le jeu vachement plus agréable. Et on râlerait pas qu'on fait des allers-retours pour rien. C'est vrai que si tu fais beaucoup d'allers-retours dans un jeu, mieux vaut qu'on te laisse la possibilité de cavaler, quoi. Parce que. Sinon, il y a de quoi s'énerver très facilement pour pas grand-chose. Oui, bah, je commence à connaître la topologie de l'endroit. À force, contraint. Niveau 9, mon ami, on y va? Oh, j'ai super faim, mes croissants sont pas arrivés, je suis dégoûté. Non! Non, je ne m'enrhume pas. Non, je n'ai pas faim. Non, je ne râle pas. Non, je ne vais pas mettre un coup de hache à. Ah! Que ça m'a fait plaisir. Et donc maintenant, qu'est-ce qu'elle va encore me dire? Elle va me dire, va dans ce niveau trouver un pied à coulisses. Et là, je vais lui dire, ma grande, tu nous as fait faire deux épisodes quasiment. Rien que sur ça, tu vas vite te calmer. Se présenter un à un dans l'ordre, donc ça va bien se passer. Sauf si je merde totalement. Viens voir. Pour l'instant, je suis bien barré pour merder totalement. Là. Si on regarde bien, techniquement. Je pourrais pas avoir ma hache. Here. So quiet, like a welcoming grave. I like the silence, don't you? Bah, j'aimerais surtout des trucs pour la life. Oh, I can't even work on finish. Fortune. I have you to pick up the pieces, but you have to go even deeper. Down, down. Take the lift down. Say hello to an old friend. Sending you a little present, a little firepower. Take good care of it. It belonged to someone very Ah, bah voilà qui me parle. I forgot. It's a little hard to get a hold of. Une prise de. Et j'ai des trucs à ramasser encore. Ok. Fucking elevator, on te prend où d'ailleurs? Ça passe pas là. Pinch. Ok.
C'est un poil raté pour descendre aux profondeurs. C'est un peu raté. On va tous les essayer, on verra bien. K, c'est d'où je viens? Non. Le K, on lui dit descendre. J'arrête pas de prendre les boutons pour monter. Non. Bon. Il me reste le chiffre le plus bas. Ça va toi? T'as pas des trucs à bouffer sur toi des fois? Non, j'ai les crocs là. Alors du coup, je sais pas quel est le niveau plus bas. Hein. Utiliser l'élévateur pour descendre aux profondeurs. On va tout essayer, puis on verra bien. Peut-être un moment où il se passera quelque chose. Onze, 14, il va encore monter. Je pense que le 9 est pas mal. Hein. Comment ça, je fais durer? Pas du tout. Ah, il semblerait que le niveau 14 c'est le plus profond. Ok, aucune logique, mais ça rappelle les vieux jeux point and click. Level 14, je pense que ma vie va changer. Ouais. Tu viens toujours pas avec moi, toi. T'es vraiment un pétochard. What? Alors, trouver des espèces de cœurs. Je vais faire un petit truc. C'est fermer un rideau parce que moi j'ai un contre-jour monstrueux et il va falloir y voir quelque chose. Ça devrait bien se passer. Et oui, nous ne sommes plus 3h du matin, mais forcément. Voilà. Alors, il faut que j'échappe au petit gars là, machin, sans me faire péter la gueule par des bestioles qui vont pas manquer de surgir. Tout en trouvant des petits cœurs mécaniques. Nick, nick, nick. Ça va être sport, les amis. Je peux? Oui, mais je ne me déplace pas super vite. Hein. Je pense que lui, c'est pas trop la peine d'essayer de se bastonner avec. Ça ne pourra que mal se passer. Et on va dire qu'il est programmé pour tourner en rond tel un blaireau. Ouais. On va le suivre, hein. C'est la meilleure stratégie. Parce que là où il est passé, il repassera pas tout de suite. C'est là qu'il va faire demi-tour. Trouver mon truc, moi. Il y en a un là. Oh putain de sa mémé! Il n'y a pas de coffre pour se planquer, les gars. J'ai pas de coffre. J'ai mes clés qui me rentrent dedans. Et il court, le gars. Hein.
Cours, cours mon Forrest, cours. Ne te laisse pas impressionner. Tu t'en fous, t'as récupéré un petit cœur et c'est ce qui compte. Tu l'as bien eu et on redescend tel le blaireau de base. Monsieur, monsieur. Monsieur? J'ai vu un gars partir là-bas. Il est très con, lui. Il est sûrement payé pour ça, d'ailleurs. Alors, idéalement, il faudrait que je descende en bas, que je fasse un petit rush à gauche. Je penche que le prochain Kirsch, il lèche à gauche. Si l'autre veut bien se casser. Et ça, c'est pas encore garanti. Et il va aller à gauche. Bah, hey, bien entendu. Clic, cloc, clic, cloc. Oh putain, il fait un demi-tour, le con. Donc il va faire un demi-tour là-bas, donc tu reviens vite. Cherche, cherche, trouve, trouve, trouve et cherche, cherche et trouve. Il n'y a pas de placard pour te cacher. Mène-toi, 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 mène-toi. Mène-toi encore. Ça va mal se finir. Si tant est que ça finisse un jour. Oh putain, il a mal. Combien il en faut? Je suis perdu. Perdu dans la traduction. Si l'autre il débarque à n'importe quel moment, ça va être juste dramatique. Quatre, on te dit pas combien il en faut. Oh putain, putain, barre-toi, barre-toi, barre-toi. Il vient droit sur moi. Il veut réguler mon espèce. Mais il me voit pas là. Man, tu me vois pas. Man, tu me vois pas. C'est pas possible que tu me vois. Je me cache trop bien. Je suis la subtilité incarnée. Tu ne mourras jamais. Ah, ah, ah. Cruchot. Aïe, 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 ouille, ouille. Je sens que je vais réapparaître dans quelqu'un, dans pas longtemps. Bon, je fais un petit peu tout le temps le même parcours, vous me direz, mais c'est normal. Je vous verrai, moi, en mode panique, avec un projecteur aux fesses qui n'a pas l'air très amical. Labalabalam. Je lui fais un coup de bénil, peut-être ça marche. Labalabalam. On peut pas dire que je cours très vite. Hein. Oui, oui, bah j'essaie de me barrer, mais de me barrer d'une manière à peu près sensée et intelligible et intelligente, et ce n'est pas possible. Apparemment, je n'ai pas d'issue sur la droite, je tombe tout le temps à gauche, c'est horrible. Je sens qu'il est vénère. Il est vénère de vénère, quoi. Moi, je dis, il faudra un petit cul-de-sac pour achever le petit tiroir en beauté. Oui, 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 tu peux le faire. Tu peux le faire, Maurice. Il reste un petit cœur, on ne sait pas où, mais... safe. Cours. Putain, mais il sait courir ici, ce con. Mais quel gros, énorme, gigantesque, incroyable, inénarrable... Connard. T'es où, man? T'es là? Tu patines? T'es bloqué? Ton script t'a niqué. Eh, bah, je suis très heureux de l'apprendre. Tu te... Oh putain! Non. Ne joue pas avec le projectionniste. Ce sera la conclusion. Garde-le, garde-le ce nigo. Alors, espèce d'andouille. Et maintenant, il faut que j'attende que tu te rebarres pour...
pour commettre mon forfait et tu es sur mon chemin, espèce d'andouille. Donc nous avons ici une compilation d'andouilles, puisqu'il y a le projectionniste, qui est pas très très futé, et il y a moi, puisque j'ai réussi à amener le projectionniste là où il fallait surtout pas l'amener, quoi. Et je ne sais pas combien de petits cœurs il faut que je récupère encore. Peut-être un, peut-être deux même. Le suspense est à son paroxysme. On a bientôt fait une heure de stream et... c'est fucking long, les gars. Vous me faites confiance, vous êtes avec moi. Je vais rusher. Et je vais l'abandonner là. Et je vais courir, mais comme un dératé. Wouhou! Tu ne mourras jamais! Espèce de sombre. Illuminé, abruti. Puisque regarde bien. J'ai décidé de te semer. Reste là-haut, reste là-haut, reste là-haut. Ne viens plus jamais derrière moi. Reste coincé comme un sale script que j'aurais hacké. Je le veux. Alors, j'ai un carte là, ça c'est la bonne nouvelle. La mauvaise, c'est qu'on y voit cure. Et oui, on y voit Robert Smith. Et du coup, j'ai encore un petit cœur à trouver. Et on y voit de moins en moins, quoi, les gars. Ce jeu n'a aucune sympathie pour moi. Aucune compassion. Je vois que dalle. S'il y a un petit cœur quelque part, je vais passer à côté, je vais marcher dessus, quoi. Bon, l'autre, il est pas dans le coin, c'est la bonne nouvelle. Ouais. Oui, madame. Bien, madame. Mettez les cours dans la boîte au niveau 9. Les traductions, les gars, c'est affreux. On va pas se quitter sans tomber une dernière fois sur le lascar, non? Je voudrais retrouver la grande pièce. Non, la grande. Là, celle-là, ouais. Il est où, le projo? Il est plus là. Oui, bah Norman, tu m'as fait des sueurs, hein. Sache-le. Et il est toujours coincé là, ce couillon, ça c'est bon. J'ai donc hacké son script, hein, on peut le dire. Ah, mais merde. Non, c'est bon. C'est bon aussi. Je me casse. Va-t-on voir le bout de ce jeu un jour? Je me pose la question. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Je ne peux pas résister. Tu ne m'en voudras pas? Tu es sûr? Tu es prêt? Ah, ça fait du bien. Up in the boîte, go, go, go! Eh ben, tu m'en auras fait faire des allers-retours, pépette. Bah, pas vraiment, tu m'as fait beaucoup tourner en rond. Oh yeah. Bouge pas, toi. Ah oui, non, mais maintenant je vais devenir méchant. Retournons à la surface. Non. Ça me dit, j'ai peur. Did you really take my money? Steal from me!
là, moi, ce Boris. C'est mon Boris, je le garde. Attention derrière toi, Boris. Je crois que... Comment dirais-je ? Boris ? Boris ? Boris ? Te retourne pas. Trop tard. Boris ! Et là, fondu. Ou poireau. Et je découvre soudainement que... Alright, Joey. I'm here. Let's see if we can find what you wanted me to see. Il y a encore un chapitre. Alors les amis, vu qu'on a fait une heure, on va se découper ça en différentes saucisses. Hein. Je dois sauver Boris. Je vais nous trouver une sauvegarde. Parce que je vais d'abord sauver moi, quoi. Ça me semble logique. Et on se retrouve pour un nouvel épisode dans ces aventures de Bendy et la machine à encre. Parce que c'est quand même bizarre, rigolo. Et depuis qu'on rame... Il serait peut-être temps qu'on découvre pourquoi on rame autant. Ah bah c'est écrit en gros, sauver Boris. Je peux pas accéder à une petite sauvegarde somewhere. J'ai plus d'armes et je suis triste. Il y a eu un concours de street art ici apparemment. Ok. Tout a l'air prévu pour être zen. Definitely something missing here. Bon, j'ai pas de sauvegarde, mais il y a dû y avoir un autosave du jeu. On va s'abandonner là, les amis. Je vous laisse avec les deux playlists usuelles. Moi, je vais aller me repositionner là-bas, tranquille. Les deux playlists usuelles. Allez, un stream bonus, parce qu'aujourd'hui, c'est fête. Et je vous donne rendez-vous demain, 19h, pour ce jeu-là ou un autre jeu. On va voir. Ciao, ciao, prenez soin de vous, prenez soin des autres. Bye.